Bonjour et bienvenue, nouvel épisode de War Tales, on continue. On a eu une mise à jour, de à peu près 11 giga, je crois bien. Il y a eu beaucoup de petites choses qui ont été modifiées. Apparemment, le stuttering a nettement baissé, donc on va voir ça. Après, les FPS du camp, je pense pas qu'ils ont vraiment baissé, on était toujours bas. Mais ouais, on verra si le stuttering est toujours là, il y a ça. Il y a aussi, vous vous rappelez la dague de Dell, la dague du pilleur. Apparemment, elle était bien buggée hein, parce qu'ils l'ont modifiée. Apparemment, donc, elle faisait toujours du feu. Hein, je l'avais remarqué, je l'avais dit en plus. Pourquoi je suis pas testeur? Pourquoi je me fais pas payer pour tester les jeux, honnêtement? Parce que je testerai les jeux, il n'y a pas de problème. Puis après, je fais une grande liste bien détaillée de tous les bugs qu'il y a, sans déconner. Je rendrai la vie des développeurs tellement simple. Genre, faites ça en premier. Genre, les trucs les plus importants qui peuvent briser le jeu. Les trucs moins importants, etc. etc. Oh là là, enfin bref. Vu qu'ils aiment pas tester leur jeu. Donc ouais, cette dague était bien buggée. Elle faisait que du feu. Donc maintenant, en théorie, ils l'ont corrigée. Et elle devrait vraiment faire des choses aléatoires. C'est bien parce que j'allais honnêtement... Après, ça me dérange pas qu'elle fasse que du feu, mais j'allais potentiellement la jeter au bout d'un moment, parce que ça sert un peu à rien, quoi, si c'est que du feu. Mais en théorie, voilà. En théorie, elle devrait faire pareil que la faucille, du coup. 30% de chance d'appliquer un malus aléatoire à la cible pendant un round. Là, normalement, c'est 100% de chance de mettre un malus aléatoire, donc ouais. Par contre, ça change à chaque combat, donc j'imagine que, en fait, ça reste... Genre, si vous mettez du poison au premier, ben, ça sera toujours du poison pendant le combat. Et après, le deuxième combat, ça sera autre chose. Mais bon, en tout cas, comme on avait dit, nous, on avait surtout que du feu. Donc voilà, ça a été corrigé. Il y a aussi quelques petits trucs en plus qui ont été corrigés par rapport à l'histoire et tout ça. Bon, nous, on n'a pas eu de problème. J'ai vu qu'on pouvait se softlock et tout aussi, apparemment. Donc bon, on n'a pas eu ce genre de problème, donc je suis assez content. Ça, on devrait le garder ou jeter? Ça, on devait le garder, je crois. Donc ouais. On avait arrêté où? Ah oui, on avait arrêté là. La tour de l'aube avec un point d'interrogation. Là aussi. Ok. Le FPS dans le... Dans le camp est toujours catastrophique. Ah oui, on avait dit qu'on voulait faire donc la meute. La meute. Le magnifique. Et je crois que pour le moment c'est tout. Donc on peut aller faire la meute. On peut aller faire la meute. Alors, fais voir. J'espère que le stuttering a disparu, mais bon, ça m'étonnerait. Ouais, non, il est toujours là, ouais. Il est toujours là. Je pense. Ouais. Ah, c'est bête. Bon, en tout cas, normalement, le jeu devrait mieux tourner. Bon, on verra. Ça, c'est embêtant, ça. Attendez, je vais pas au bon endroit là. Après, je sais pas honnêtement si on regarde les options. Hein, je sais pas ce qui pourrait baisser le stuttering. Il hein, y a pas de choses en fait pour baisser. J'ai des fais voir si on fait ça. Unité dans le monde faible, ça fait quoi en fait ça? Je sais pas. Je sais pas ce que ça fait vraiment. Unité dans le monde faible. Non, il y a toujours du stuttering. Les salak toujours pareil. J'ai tout mis à fond parce que je sais que quand j'avais testé, j'avais mis tout en bas pour être sûr. Pour voir si ça venait... Oh merde, on est plein. J'avais mis tout au minimum pour voir si ça aidait. Mais en fait, ça aide pas du tout. Donc au final, j'ai remis tout à fond. On va remettre tout à fond. Graphisme. Hot. Ok. Alors, il y a certaines choses, je sais même pas ce que ça fait.
Alors, démanteler. Ouais, ah oui, on a vraiment... Oui, on a fait beaucoup de combats, en fait, d'affilée. On a beaucoup de choses. Le bouclier, c'était... On en avait trouvé un meilleur, c'est ça? Ouais, un niveau 10, en fait. Alors, la corne de Tull, on avait... on n'avait pas trouvé quelqu'un, en fait, pour la mettre. Dégâts plus 10%. Je suis en train de me demander si Miguet, on devrait pas lui enlever le fait de repousser aussi loin. Après, c'est fun, hein, mais je crois que c'est peut-être mieux pour les archers. Je sais pas trop. toi, ça sert à rien. Critique. On pourrait lui mettre dégâts plus 10%. Ouais, mais elle a mouvement moins 1. Non, honnêtement, le dégâts plus 10%, je vois pas sur qui le mettre. Parce que tout le monde, en fait, a des bons trucs critiques. Le mouvement moins 1, en fait, ça gâche un peu. Parce que pour les gens qui ont pas beaucoup de mouvement... pour les gens qui sont pas avec des armures lourdes, du coup, j'ai pas trop mis de mouvement. Et donc, ils sont dans les 12 à chaque fois. C'est plus ou moins dans les 12. Bon, lui, il est spécial. Mais ouais. Elle, je l'ai même pas touchée. Elle est à 10 toujours. Elle est toujours à 10. Elle a aucun problème avec ça. Non, ouais, mais c'est pas vraiment utile. Bon, par contre, je crois qu'on va devoir se booster le... la portance. Parce que là, on a trop d'objets. Par contre, on est... Ouais. Oh putain, on est loin de la ville en plus. Bon, on est... Ah non, on n'est pas si loin que ça, ça va. Il y a ça, contre les cibles portant une armure légère, augmente de 10%. Ou critique, hein, c'est pas vraiment intéressant, parce qu'on a ça, comme j'ai dit. Là, on a la lettre. Ouais, non, il n'y a rien de... Ça, on va le garder. L'écu des bandits. Ah oui, c'est parce qu'on a l'argent et des draps aussi sur nous. Ah ouais, ok, on va rentrer. J'avais un peu oublié qu'on avait tout ça. Ouais, mais je me suis pas boosté. Alors, hop. C'est ouf. Ouais. Oui, je sais, mais ça suffira. Avec le minerai recherché au moment où vous êtes plus recherché. Ok, nickel. Je sais même plus pourquoi on était recherché. Ah, mais je crois que c'était l'argent que j'avais volé, en fait, avant l'épisode, en fait. Parce que ça fait... Putain, c'est par là. Parce que ça fait beaucoup d'argent. On a un endroit pour pêcher, là. Mais bon, là, on est pressé pour rentrer. J'ai un peu peur de dire que c'est... Pire, le lag. Mais bon. Je sais pas. Je pense que c'est du pareil au même, honnêtement. Je pense que c'est du pareil au même. On est à combien? Prendre encore des trucs. Le gibier, ouais. Putain, on est à 1001. On est à 1001. Attends, du coup, c'est où? Ah, on voit les icônes maintenant, ça y est. Oh là là, yes. Merci. Du coup, c'est où, nous? C'est là. Vous vous rappelez, on voyait pas les icônes? Maintenant, on voit les icônes. Alors... Ça, on le garde, j'avais dit... Attendez, on va faire ça. J'ai des babioles à vendre... J'ai ça aussi à vendre. Ça, alors ça, on le garde. Ça, on le garde aussi. Faut que je teste ça, là, les repousses cheveux, voir ça, si ça fonctionne. Ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Attendez.
On a toujours des fleurs, ouais, 31. Là aussi c'est plein. Là aussi c'est plein. Là aussi c'est bon. Faudrait peut-être faire de l'hydromel. Je sais pas si ça sert en fait de faire de l'hydromel pour le moment. De ma tête, on n'utilise pas vraiment de choses qui demandent de l'hydromel. La para, ça on garde. Du gibier, ça on garde. Le porc aussi. La musique va s'arrêter d'un coup, j'aime bien. C'est marrant. Ah non! Ah non, elle fait plus ça. Je me rappelle, je crois que c'était en early que ça faisait ça du coup. Peut-être. Genre, c'est comme si elle était pas finie en fait. Ça, ça. Ah, et ben voilà, 720, c'est un peu mieux. 720. Par contre, on va refaire des fossiles ou pas? Des fossiles, bon les hachettes j'en ai, des bombettes aussi il me faudrait. Oh là là. Alors, fais voir. Alors, les fossiles c'est quoi? Non. Alors du coup il me faut du givracier. Et les bombettes. Oh, on a ça, arme de jet spéciale. C'est nouveau ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Celle d'alchimie apprenti 1. Ah, c'est cool, on peut les faire maintenant. Alors, lancer de couteau empoisonné. Lancer de faucille pétrifiante. Ça fait l'effet confus. Cette unité ne peut pas recevoir de bonus. Les hachettes, c'est critique applique saignement. Oh, mais ça fait rien en fait. Ah, lancer de hache puissante. Ouais. Faudrait qu'on en fasse. Aïe aïe aïe. Je crois que c'est Tiltren où j'ai tout mon bordel, ouais. Ça. Oh putain, il faut que je paye pour récupérer les choses. Oh merde. Oh. Ah ouais, mais non. Je comprends pas pour comment ça fonctionne ce système. Genre pourquoi des fois je dois payer, des fois non. Attendez. C'est aléatoire ou quoi? Je comprends rien du tout. Il me faut ça, ça. Okay. Ah, ça m'embête ça. Alors, renfort, main gauche. Ok. 15, ouais, 8, je suis brassier. Par contre, fais voir. C'est Ménette. Ménette, tu as ça, mais on n'est pas en train de crafter des trucs de haut niveau. On voudrait récupérer... Chance de récupérer une partie des ressources. Pardon, fou. Alors... Les fossiles sont vachement sympas en plus, c'est vrai qu'elles traversent la garde. 4, faire 2 là aussi. Je pourrais... Ouais, de toute façon avec le surplus que j'ai là, je garderai
du matériel de côté pour monter quelqu'un d'autre, forgeron maître. Forgeron maître, c'est un peu plus compliqué, honnêtement. Forgeron maître, comme j'ai dit, ça utilise quand même pas mal de ressources. Mais bon, vous faites ça à la limite. Par contre, je crois qu'il m'en faut, du coup, pour pouvoir crafter. On va en faire un set. Okay. On va remettre ça, parce que si jamais j'oublie de l'enlever, le mieux, c'est d'avoir une chance de faire un objet de meilleure qualité. Ah, je suis content qu'on puisse faire des trucs empoisonnés et tout ça, là. Hein, ça tue. Alors, les bombettes à main. Déjà, ça, il m'en faut plein parce que... Ça, c'est quelque chose que j'utilise super souvent. Parce que c'est vachement utile. C'est extrêmement utile. J'ai fait aussi des bombes de recul, j'en ai de côté. Faudrait qu'on les, on les testera pour... Je sais pas pourquoi, en fait. Mais... Abeille aussi, ça peut être utile. Corrosion, moins... Corrosion, au fait... Non, en fait, si, dans un sens, corrosion, oui. Pour les gens avec énormément d'armure. Si jamais on rencontre des chevaliers, je sais pas, genre avec 500 plus d'armure. Honnêtement, on va commencer à utiliser ça. Confusion. Poudre de confusion. J'en ai... C'est la première fois que j'en vois. Ah, on peut faire des pots de confusion maintenant. Lorsque la poudre entre en contact avec la peau, elle brûle, provoque des démangeaisons. Ah, ok. Cool. Eh, il y a plein de trucs qui se sont débloqués en fait. Ou alors c'est la dernière fois, je les avais pas fait gaffe. Ah, il me faut de l'eau de vie. C'est les seuls où il me faut de l'eau de vie, t'es sérieux? Attends, on va faire des faucilles. On n'avait pas dit qu'on voulait aussi des matériaux bruts parce qu'on n'en a plus. Ouais, 91, va falloir faire gaffe à ça. Alors. Fossiles pétrifiantes. Je vais voir le reste. Haha. Alors là c'est. Ok. Donc, des fossiles fantômes, j'en ai ou pas? C'est horrible cet endroit, honnêtement, que ce soit pas au même... on va devoir dormir en plus. C'est pour ça que j'aime pas vraiment crafter ici. Honnêtement, à un moment, je suis retourné à Tiltren. Entre deux épisodes, j'étais retourné à Tiltren pour aller crafter. Bon, après, j'ai fait des missions et tout aussi, mais c'est pour dire, quoi, tellement que c'est chiant. Ah, mais non, mais faut que je paye pour récupérer des trucs... Oh, c'est chiant. J'ai pas des 7, genre 4 aussi qui traînent ou conneries ou couteaux. Si, achète de lancer fantôme. Oh putain. Sans déconner. Parce qu'il me faut pas tout. Ah. Ok, et qu'est-ce qu'il me faut pour les fossiles? On va faire ça parce que moi je veux les dernières en fait. Enfin les celles-là, comme ça je peux toutes les transformer ce que j'ai. Parce que je les utilise. Il me faut de l'eau de vie et des trucs de moustique. Putain, en plus c'est super rare les objets, c'est bien. Oh là là, attends, on a le pire du pire, quoi. Il va falloir que j'aille farmer des moustiques, quoi. Incroyable. C'est pour ça que je les garde, moi, mes moustiques à moi. C'est pour ça que je les garde. Je veux ça, moi. Je veux qu'ils récupèrent des trucs d'alchimie, ça serait marrant. Alors. Main gauche. Alors. H.
Ah oui, je peux faire ça aussi. Donc, H de lancer fantôme. Fais voir, c'est dégâts critiques 7. Et là, c'est pour crafter... Bah, qu'est-ce qui change, en fait? J'essaye de comprendre ce qui change, en fait. What? Bah, ouais, mais là, tu me montres pas le produit fini, hein. Attends. Qu'est-ce que t'es en train de me montrer, là? C'est les mêmes, non? H de lancer... Attends, attends, attends. Alors, donc, achète de lancer fantôme. Ok, ça c'est les normales. Dégâts critiques 7%. 30 à 55% de la force. Donc 30 à 55% de la force, ça c'est pareil. Ah, lancer puissant. D'accord, ok, celle-là, elles ignorent pas la garde. Celle-là, oui, ok. D'accord. Lorsqu'elle fend les airs, cette hache produit un son à vous glacer le sang. D'accord, elles vont ignorer la garde. Du coup, c'est que les faucilles qui ignorent la garde, peut-être? Non, même pas. Si, si, cible en ignorant la garde, ok. Il n'y a que les faucilles de base qui ignorent la garde. Mais les faucilles font pas très, très mal, je crois. Après, ça dépend. Genre, lui, par exemple, il fait 46 à 90 de dégâts. Parce que il a une puissance abusée. C'est vrai que dans un sens, je me demande si on devrait pas lui enlever le petit gantelet. Comme ça, il peut faire autre chose, en fait. Je sais pas. Parce que du coup, il pourrait genre envoyer une faucille qui fait super mal. Il pourrait prendre le Tull, on perd 40% de dégâts, mais ça lui permet de faire d'autres habilités. Bon, il va perdre en mouvement aussi. Ouais, on pourrait tester. Parce que c'est vrai de faire plusieurs habilités. Après, on pourrait lui mettre Kourou aussi. Du coup, il pourra faire Kourou. Et le fait de lancer une faucille, en fait, s'il est contre une personne, il pourrait taper une deuxième fois, en fait. Il pourrait taper en opportunité. Donc ça... Ça, c'est intéressant aussi. Donc, techniquement, on va dire que... De toute façon, c'est toujours mieux de taper plusieurs fois que de faire un gros coup avec des gros dégâts. Hein, c'est ça, c'est toujours été... Dans quasiment tous les jeux, c'est toujours comme ça. Bon, du coup, là, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc là, on peut faire des faucilles, du coup, puissantes qui ignorent la garde. Putain, ouais, mais ça utilise des trompes de moustiques, c'est la merde. Là, ça serait des couteaux empoisonnés. Et là, ça serait des faucilles pétrifiantes qui font confusion. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. Oh, attends, il faut qu'elle soit déjà modifiée. What? Attends, 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 attends. Non, non, c'est bon, j'ai eu peur. Attends. Pourquoi j'ai que ça? Elles sont pas dans l'ordre? Ah! Elles sont dans l'ordre de catégorie en fait. Ok, ça marche, j'ai compris. Attends, ça marche. Genre là, il y a toutes les dagues d'affilée. Les dagues empoisonnées, ça pourrait être intéressant. Je veux pas dire, mais... Ouais, là, ça devient sympa à faire, de faire des dagues empoisonnées. La faucille, c'est... Pourquoi tu me dis que j'en ai pas? Faut essayer de lancer pétrifiante en givracier. Mais j'en ai, non? Je crois qu'il y a un problème, en fait. Ouais, je crois qu'il y a un problème avec... Euh...
avec la recette, là, ça a pas de sens, en fait. Parce que là, tu me demandes des couteaux de lancer, ok. Tu me donnes des couteaux de lancer fantôme, et après, des couteaux de lancer en givracier. Par contre, là, tu me demandes, donc, fossile de lancer normal, fossile de lancer fantôme pétrifiante, déjà. Et comment je les fais, en fait? Comment je les fais si je peux pas les faire? Et là, c'est pareil. Fossile de lancer pétrifiante en givracier. Oui, mais c'est ça, le résultat. Donc comment tu veux que je te les... je les fasse? Ouais, je crois qu'il y a un problème avec... parce que après, le reste, c'est normal. En fait, c'est du normal pour faire du super. Là, c'est normal pour faire du super. Et là, c'est du super pour faire du super. Donc là, ça n'y a pas de sens. Là, il y a un problème. Il y a un problème. Bon, je peux faire les givraciers à la limite. Ouais, mais ça, à chaque fois... ignore la garde. Ouais, c'est bien pour que... il n'y a qu'une seule personne qui utilise ça. On peut en faire que 3 maximum. Pourquoi? Parce qu'il me manque quoi? Bah, c'est les rostres de moustiques, en fait. Ouais, on va pas les faire. Bon, bah, c'est bien. On a appris des choses. Had Broker Hovendorp taken my potions, she wouldn't be dead. Believe me. Comité des compétences de bravo, c'est quoi pour cette chance? Ouais. Ah, c'est bête. Mais ouais, faut grave aller farmer, en fait. I don't know what's going on at the Hovendorp mine. I haven't received any ore in days. This cannot be allowed to continue. Ça, c'est des fantômes empoisonnés. Ça, c'était quoi? Tous les couteaux de lancer normaux. Ça, c'est des fantômes empoisonnés. Hachette de lancer. Aussi de lancer. Là, on a quoi? Ok. Fossile de lancer pétrifiante. Mais ça, c'est le celle de base ou pas? Putain, je sais jamais. J'arrive pas à les reconnaître. Requiert niveau 2, oui. La biole. Ok. Bon, bah, faut attendre une autre mise à jour. C'est bien. Aïe, 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 aïe. Oui, ça va, ça nous a pris 20 minutes pour voir qu'il y avait un bug déjà. Je sais pas. Je sais, je comprendrai jamais comment les devs voient pas des trucs comme ça, en fait. Ça, c'est un truc que je comprendrai jamais. Les potions sont... les bombes, elles sont pas lourdes, on va les garder sur nous. Si jamais on veut les utiliser. Alors, si jamais, comme j'ai dit, on enlève ça à notre copain, qu'est-ce qu'on lui met? Donc on lui met le dégât supplémentaire, genre 10%. Ouais, on peut mettre ça. On pourrait voir un peu ce que ça fait. On est à 720 de poids, on est bon. On va virer encore des petits trucs. Ah, j'ai encore ça. Ça, on enlève. Le stylet, je crois qu'on n'en a pas vraiment besoin. Ça, on garde, ça, on garde. Ça, je le garde parce que c'est pour... ça, non. Enfin, des fois, je garde des choses, c'est vraiment... juste pour le kiff de les garder, parce qu'au final on n'a pas vraiment besoin. Les bombes, on en a, mais bon. On a 21 torches, t'es sérieux? Putain, on a dû en trouver plein, en fait. Ouais, c'est bon, on peut partir. On va aller récupérer. Ah, tiens, on voit plus les... ah, si, si. Les icônes sont là.
Faut qu'on s'arrête aussi au marché. Alors, les rats montent en l'air. C'est quoi le montant en l'air? Un groupe de montants en l'air particulièrement avide et affixe ses vies dans les beaux quartiers de Gozenberg. Les riches habitants en cité sont excédés et prêts à payer pour s'en débarrasser. Ça marche. Ça, on va le prendre. Juste au cas où, si on passe à côté. Invasion de rats. Non, on va pas la prendre encore, l'invasion de rats. You're the ones who got my cousin across the border. Why? Très bien. Oh mon dieu, c'est fort. Ça me tue les oreilles. Joli. Ruby et saphir. Attends, j'ai encore des conneries à demander. When he told me how much he promised you, I hope you're ready. Ok, nickel. Ok. Bon, on n'a rien à blanchir, tout ça, tout va bien. Ouais. Mais c'est cool pour. Pour le nouvel équipement là, on peut faire. Mais le problème, c'est que bah il va falloir que je vais pas le faire en vidéo parce que sinon on va passer 3 heures dessus, c'est pas intéressant. Mais il faut absolument qu'on aille farmer des moustiques, tout simplement. Faut absolument farmer des moustiques. Alors, Filakelur s'est amélioré. Très bien. Alors, il est plus fort. Relation avec les honnêtement, de l'expérience avec les compagnons, je suis d'accord, c'est intéressant. Enfin, c'est intéressant pour certains niveaux, en fait. Pour le niveau 4, je crois. Après, c'est 8. Et après, c'est 11. C'est pour les équipements, en fait, qu'on peut crafter. Mais après, entre ça, il n'y a pas grand-chose. Après, oui, il y a les niveaux où on gagne des nouveaux skills, à la limite, mais... relation avec les... Je sais pas. J'ai envie de prendre célébrer la réussite avec le groupe, honnêtement. Ah, social. Cool. J'ai bien fait. Les sociales. Ouais, je préfère faire ça, en fait. Parce que l'expérience, ça va, quoi. Alors... Donc on a ça à faire. J'avais dit qu'on voulait faire la meute aussi. Il y a le marché que je voudrais aller voir. Il est où le marché? C'est ça le marché. Ah, on peut se balader et faire tout ce qu'il y a, en fait. Mais ouais, je pense que quand on aura fini avec cette zone, je ferai une petite pause. Petite pause et j'irai farmer. J'irai farmer un peu le... C'est eux les méchants? Je sais pas. Farmer un peu... Say whatever you want, mercenaries. But we won't surrender. Our children and elders are counting on us to put food on the table. Les marécages, donc les moustiques, et je ferai aussi les crocopores pour avoir un peu de crocopores. We didn't become thieves for fun, you know. If we had enough money to feed our families, we wouldn't steal from the rich. Bah on peut leur donner du pain. C'est pour ça que j'aime bien avoir du... Oh, serpe fantôme.
Bah après, on peut la faire nous-mêmes, hein, c'est pas un problème. La serpe fantôme, c'est bah, c'est le la dague en fait. À la limite, je préférerais la corde et le piton, quoi. Ouais. For us. I don't know what to say. No one has ever helped us before. We're very grateful, even though it won't keep us fed for long. But at least, it gives us time to look for honest work. Take this. I hope we won't need it again. Pourquoi pas? Ah, c'est la nuit. Faudrait... Ah, c'est pas grave. Faudrait aller voir s'il n'y a pas la meute, en fait. Vous croyez qu'on a le temps? Il est déjà 23h. Avec le combat... Oh, embuscade, tiens. Avec le combat, je pense pas qu'on aura le temps. Des adorateurs. On essaye d'en prendre un adorateur, hein. Juste au cas où. Au cas où on tombe sur un super adorateur avec des traits de ouf. Mais bon. M'étonnerait. On verra de toute façon, on verra. Comme j'ai dit, on va plus trop se concentrer à capturer les gens. Yes, regardez, on commence. Bon. Premier quoi, ça va être un vrai carnage. Ça va être un vrai carnage. Tiens, maintenant je suis curieux. Est-ce que ça a été corrigé? Ah! Faut voir. Ça, c'est l'adorateur qu'on voudrait. Cible en vue, c'est pas vraiment intéressant. Adorateur. Ok, il y a deux adorateurs. Fais voir les dégâts de notre copain là, de notre berserker. Bertie, non c'est pas Bertie, c'est 132-165 avec ça. Ouais. On va voir, maintenant il pourrait lancer, parce que le lancer de faucille qui fait 50 de dégâts, je veux pas dire, mais c'est pas de la merde. Hein. C'est pas de la merde du tout. Alors, notre adorateur, il est en mode critique en plus, ça c'est chiant ça. Voilà. Fais voir, tu vas le tuer, oui tu vas le tuer, putain tu fais tellement mal. Oh la vache, okay. Pardon. Ah mon dieu. Alors, fais voir toi du coup. Vas-y, sur quelqu'un qui a 19 de garde, fais voir un peu. Putain, 51 à 100. Pas mal. Amorphe. Prochaine attaque d'opportunité de cette unité n'affiche pas de dégâts. Et après... Pas mal. Ouais, je... Je pense que ça peut être plus intéressant de lui mettre ça. Comme ça, on a plus de... Je pense qu'il l'aurait tué quand même avec deux coups. Enfin, avec un critique aussi, il l'aurait tué. J'en sais rien. Je sais pas si... En fait, on est tellement à un point, j'ai envie de dire, absurde de dégâts.
que je suis quasiment certain que ça change pas grand chose au final, vous voyez ce que je veux dire? C'est du pareil au même. Je suis quasiment sûr que ça change rien en fait. J'ai l'impression que les tours ils passent plus vite. En combat. On a du stuttering ou pas? On a eu du stuttering ou pas? J'en ai pas l'impression. Fais voir un peu les dégâts. Oui, non, je crois que... Fais pas de critique. Ouais, il va faire un critique, sûrement. Ouais, pas mal. Attends, qu'est-ce que t'as balancé? Oh, merde! J'ai... Putain, quel con. Je voulais balancer ça. C'est pas grave. Ce n'est point grave. Tu meurs pas. Oh, la vache. Ah, c'est calme, hein. Glorieux. Les dégâts. Très bien. Alors, fais voir toi. Parfait. Il y a quand même un peu... Je crois qu'il y en a un peu du stuttering, mais nettement moins prononcé qu'avant, je dirais. Ouais, je dirais qu'en combat, il y en a c'est moins prononcé qu'avant. J'ai l'impression, c'est moins fou. Du coup, on s'en fout un peu. Okay.
Les mecs, ils jouent pas, quoi. Ils ont abandonné, c'est ça? Ah non, si, ils jouent. C'est... Sauf que nous, beaucoup de nous passent en premier, en fait. J'aurais dû taper avec ça, en fait. Ouais, bah, de toute façon, c'est du pareil au même. Fais voir, elle. Affaiblissement, c'est cool. Fragilité. Elle lui a mis fragilité. Ça, ça, ça tue. Ah, c'est pas mal maintenant. Maintenant, c'est devenu vraiment sympa. Et là, elle pourrait faire Kourou. Elle pourrait faire Kourou. Ah merde, il a encore plein d'HP en fait. Qui c'est qui peut... C'est bon. Ouais, je... Bon, faut qu'on fasse un peu plus de combat, mais j'ai l'impression que oui, c'est moins... Ouh, joli. C'est moins prononcé qu'avant. Le lag. On fait voir. La peau dure. J'avoue que la peau dure, ça peut être intéressant. Ce qui m'embête, c'est qu'elle a eu seconde ligne. C'est rare d'avoir ça, je crois. Plus de dégâts, très bien. Dans le délire. Est-ce qu'on garde les nouvelles personnes? Bertie, elle est niveau 8. Ah putain, faut que je fasse tout le tour. Ah mais c'est mort là. Oh, oh ouais, on n'y arrivera jamais à la matouille. C'est bon, c'est mort. Je me suis bloqué dans les ruelles. Ah, il n'y a que les routes, que quand on est là, en fait, c'est pas considéré comme une route, on voit, c'est pas pavé, en fait. C'est bien, ils ont bien fait, en fait, la ville. Ils l'ont très bien fait, la ville. On peut aller faire le magnifique. Ouais, on prend tout. De toute façon, on a pas mal d'argent en ce moment. Ah merde, le brouet d'anguille, je l'ai ou pas? C'est ça? Oui, ok, ça c'est cool. Alors. Last year, we got back too late to see the arena clash. Donc toi. No sea is too rough for the magnificent. We travel far and wide to offer our customers the most valuable goods in all the realms. J'ai envie de prendre la hache, mais ça sert un peu à rien. Enfin, en plus, c'est une bleue, on s'en fout. Réconfort des paysans à 99. C'est pas vraiment intéressant non plus.
Alors du coup, on veut ça. Hop là. Eel soup. You're familiar with the Rook's code, I see. And here I thought you were decent folk. Need to murder someone or are you just after some illicit items? Ah ah. Alors, qu'est-ce qu'on a? Fragments d'objets précieux. Des cerveaux infectés, on va tous les prendre. Des restes humains. Et on a ça, le sceau des Ovendorp. Ce précieux objet permet à la famille Ovendorp d'apposer son sceau en bas des contrats. Donc, on va prendre ça. 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 Poudre d'Alazar. Ouais. Les corps, on s'en fout un peu. We're no ordinary contract killers, mercenaries. No Rook has ever revealed their client's identity. Those who request our services are never at risk of exposure, otherwise we'd soon be out of business. So even if we did take out the broker, we wouldn't tell you. Not even under torture. Ok, ça nous a pas vraiment avancé. If you don't want to do business with us, get off this boat. Eel soup. We're no all. No Rook has. So even if we did take out the broker, we wouldn't tell you. Not even under torture. Ouais, ok. Ça nous avance pas des masses là, honnêtement. L'emblème de la Discord. Ah oui, on a ça aussi à faire. Ok. J'avais oublié. Normalement ils vont... Ah oui, j'avais oublié le... Vous savez, il est où le bordel là? Jardin de minuit, je crois que c'est ça. Vous savez, le fils là. Tout le monde dit que, en fait, il est rentré dedans, mais il est jamais ressorti. Bah, c'est parce qu'il est rentré dedans et il est jamais ressorti. Si je me rappelle bien, voilà. Le bruit sourd retentit contre la trappe. Don't worry, it's probably just a rat. Non, c'est pas un rat. Help! Somebody! Clé dorée. Ah, mais c'est pour ça la clé dorée. Maintenant, je me rappelle. Voilà. Il est là, Ludric. Elle est morte. What? Mother is dead. How would I know? I've been locked up for days. They wanted to sell me into slavery. I beg you, don't let them do this. Ooh. Hold on, mercenaries. You can't take him away like that. It's not just the bandits that this son of a crockswine owes money to. He's got a hefty tab here, too. Who's going to settle up? You can have him if you want, but it'll cost you. Otherwise, he'll be off to the Alazarian slave market tomorrow. Faut vraiment payer? How were we to know his mother would be murdered on the very night we planned to kidnap him? Not that it would have made a difference. She's refused to pay for him in the past. Don't leave me here! C'est nouveau, ça, you can have him if you want, but it'll cost you. Bah, désormais parti de votre compagnie. Ok. Je rejoins vos compagnons. Attends, attends, attends. C'est un... Oh! C'est un nouveau mec, en fait, qu'on peut recruter. Oh, c'est marrant, ça. Donc, c'est un épéiste. Ouais, sympa. Pas beaucoup de force. Pas de traits. Il a pas beaucoup de force par contre. D'accord. Good riddance. How were we to know his mother would be? Are you missing something? Go on. I won't judge.
je veux bien ça. Table du négociant, c'est pas intéressant. On a des cordes. Ouais, on a des cordes, on a des chaînes. Ok, on a fait ça. Cryptique. Je sais plus que... Je sais plus quelle clé il fallait pour cryptique. On va voir. Might I interest you in my humble wares, my good sirs? Qu'est-ce que c'est? Oh là là. Vous avez vu, ça c'est parce qu'on a des objets volés. Ils deviennent jaunes. Attends, faudrait... Oui, oui, l'emblème aussi qu'il faut faire. Oh là là, on a plein de trucs à faire. Si j'aime pas me balader dans cette ville. Alors déjà, la crypte, je me rappelle plus quelle clé. Clé ouvragée, ok, ça marche. Clé ouvragée. Ça marche. Donc là, on a fait avancer, on a appris que depuis la nuit du meurtre, le retenu prisonnier du jardin de minuit, ça marche. Le comptoir, on va aller au comptoir, on va déposer le mec. Ceci n'est pas très 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 intéressant. Ludéric. Très bien. Bien, on va aussi détruire notre surplus. Donc ça. Les objets volés, on va les mettre ici. Elle est où notre... Elle est là. Parfait. Maintenant. Donc l'emblème de la Discord, je crois que c'est cette route là. On va aller, on va y aller. On avait vu le combat mais on n'avait pas interagi. Ah tiens, il va faire nuit. On peut peut-être aller faire... Est-ce qu'il y a des autres choses ? Je sais qu'à un moment... On va rencontrer les gens du Freu là. Mais je sais pas comment on les rencontre en fait. Je sais plus comment on les rencontre. Oh, il y a une caravane en or. Bon, c'est pas grave. Ah si, c'est grave. Viens ici. Stand back, peasants. These peasants. Valuable commodities are only for those who can afford them. Peasants. Ah oui, on est au marché, tiens. Il y a trop de choses à faire, je sais. Je fais plein de trucs là. Broker Hovendorp got what she deserved for years now. On est à 800. Ça va. This city only looks after the wealthy. Très bien. Want to do business? The death of Will of the Witch will bring you good luck. Parfait. Alors, c'est la droite ou à gauche du coup le combat? Non, c'est peut-être pas là. Peut-être là. On va voir pour la track. Ouais, mais c'est un peu tard maintenant. Merde. C'est un peu tard pour la track. Je crois que ça disait quoi? Un cadavre qui était près de la plage. On va se balader près de la plage, on va voir un peu. Ouais, un adorateur niveau 10. Ça m'embête un peu parce qu'encore une fois, il va falloir que je le remonte. Le mec, il la garde.
pas l'adorateur parfait non plus. Ah, ils sont là, ils sont là. Help! Help me, mercenaries! Heathens! They're attacking us! Hand over the emblem, Inquisitors! This insult to Alazar must be destroyed! Donc, où on se met du côté des Inquisiteurs ou alors de Alazar? You would destroy a sacred depiction of the divine all-seeing eye! Blasphemy! Mercenaries, help! Stop squealing like pigs, Inquisitors! Mercenaries, we want this emblem. Name your price. Le cornet, je crois qu'on l'a. Cornet, c'est ça. Les serrures sont plus simples à crocheter. Donc on n'a pas besoin d'un deuxième. Masque de médecin, je sais plus si c'est vraiment très très utile. Le masque de médecin. Je crois que ça soigne. J'en sais rien en fait. Je me rappelle plus. On peut faire ça. Mais ouais, c'est par rapport à l'histoire, donc qu'on le fasse. On va taper les inquisiteurs. Ouais. On va taper les inquisiteurs. Pour avoir le masque de médecin. Après, moi, je les aime bien, Alazar. Je les trouve sympas. Alors, vous êtes en combien de groupes? 3 groupes. Évidemment, vous êtes en 3 groupes. T'as quoi, toi? Retrancher. Ouais, pas mal cette épée. Soutien du chef. Expérience des pillards. Ah, vous aimez l'expérience des pillards, hein? Vous aimez ça, hein? Tiens, il a une ébranlable, lui. C'est une tête. Colosse. C'est nouveau, ça, les colosses. De chez Alazar. Cette unité a inébranlable. Pas mal. Sympa. Là on a quoi? Fanatique, purgateur. On a des adorateurs. Ça marche. Duan, ça suffira pour gérer tout le monde. Ouais, ça va. Ok, je pense qu'ils ont corrigé ça. Non. Putain, fais chier. Non, c'est pas corrigé. Ah, non, elle gagne pas tout le temps de la bravoure. Donc c'est... Ah, quoique, j'en sais rien en fait. Peut-être plus souvent, mais c'est... Ou alors ça fonctionne pas comme ce que je pense en fait. Je crois que c'est surtout ça. Ça fonctionne pas comme ce que j'ai en tête en fait. Il y en a beaucoup. Même Odelleuse, honnêtement, elle est sympa maintenant. Hop là. Elle fait mal, hein. Mais honnêtement, elle fait mal parce qu'elle a une très bonne arme, c'est tout. C'est vraiment pour ça. En plus, on l'a en 3 étoiles.
Donc, ouais, c'est parce qu'elle a un niveau extrêmement élevé comparé au. Enfin, extrêmement élevé. Enfin, non. Non, c'est juste l'équipement, surtout. C'est surtout l'équipement. C'est vraiment l'équipement, en fait, qui fait la différence avec elle. Parce qu'en théorie, elle ne devrait pas one-shot ou faire aussi mal. Hein. Très bien. Ménette. Ce qu'on pourrait lui mettre, ça serait... Ah oui, attends. Enfin, quoi que je lui ai pas mis tout force. Ménette, il est à 70. Elle est à combien, elle? Ah, non, mais elle est à 106 parce que ça fait 66, hein, surtout. Ouais, sinon elle fait 10... elle fait que 18, celle-là, en fait. Pour le moment, à son niveau, en tout cas. J'allais dire qu'elle ferait vraiment très mal avec l'arme légendaire, mais en fait, pas vraiment. Au final, non. Elle ferait sûrement même moins mal. Et surtout que quand je lui ai mis les points, je me suis pas vraiment concentré sur la force. Dans un sens, j'aurais dû, mais je pensais pas qu'elle allait être aussi puissante en fait. Elle a beaucoup de constitution. Je pensais pas. J'ai mis. Je sais même pas si j'ai utilisé. Je sais plus si j'ai utilisé. Comment ça s'appelle? De l'influence pour faire ses points. Je crois que j'ai pris un peu ce qui est arrivé. Comment on fait? Tiens, on va faire ça. Cool. Joli. Qu'est-ce que... Ouais, on peut faire ça. Je pensais toucher les deux, mais j'ai mal jaugé en fait. Ah putain! J'ai pas fait attention. Un HP, mec. Un HP, c'est pas mal ça, non? Pas vraiment voulu en plus. Très bien. Alors, qu'est-ce qui reste? Ils sont nombreux, hein, ces cons. Putain. Vas-y, montre un peu ce que tu sais faire. Ok. Ouais, vous voyez là, est-ce que... Est-ce qu'on l'aurait tué? Est-ce qu'on l'aurait tué juste en tapant une fois avec un coup de poignard? Moi, je pense pas. Hein. Moi, je pense pas. Hein. Surtout que ça ignore la garde. Hein. Donc, on est à 65-133. C'est débile. Débile. Ouais, non, je pense que on a trouvé la personne qui peut utiliser
Je pense qu'on a trouvé la personne qui peut utiliser le 10% de dégâts. Après, si on veut en faire, comme j'ai dit, si on veut faire en faire un one shot. Je vais mettre le feu à tout le monde, ouais, c'est pas grave. Si on veut en faire un one shot, on peut lui remettre le petit gantelet. À la limite, ça je suis d'accord. Mais techniquement, ça sert pas à grand chose. Parce que juste taper une fois, c'est quand même pas très pratique. Surtout que quand je vais commencer à lui mettre des habilités, genre Kourou et tout ça, s'il peut strictement rien faire, c'est pas intéressant quoi. C'est un peu ça le problème. On pourrait faire Kourou, il pourrait faire la course pour se désengager sans problème, sans avoir à prendre un coup de comment ça s'appelle, d'opportunité. Donc Kourou, course, on peut, il pourrait soigner aussi, donc ça fait trois habilités qui seraient intéressantes en fait pour lui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre après en habilité? Ben, je crois qu'on a, ouais non, c'est les trois plus importantes. We were supposed to remain unseen, but we almost ruined everything. Good thing you came this way. Our mission was to steal this emblem discreetly, but the Inquisitors spotted us immediately. They protected this piece of quartzite as if it were the eye itself. Thanks to you, we can destroy it and rectify the harm Broker Hovendorp caused our king when she commissioned the Edoranian clergy to make this blasted thing. It's painful to see our former provinces get closer to the enemy by claiming to embrace their faith. Eh ouais. On peut leur parler? Non, on peut rien faire. Bon bah ça va, mission menée à bien. Alors avant de continuer, je vais voir. Ça. Le porteur a 20% de chance de perdre une blessure en dormant. Ouais, c'est bien ce que je pense, ok. C'est pas très. C'est pas très intéressant. Toi, tu vas prendre. Adorateur avec aucun trait. Donc du coup, on peut te virer. Ça me rend fou. Qu'est-ce que je fais avec lui? Je le garde ou pas? Il a la peau dure. Il est niveau 10, ça qui est bien. Aussi. Celui-là qui sera le plus bas pour le moment, ça sera elle. Ubanktos. Et confiant dépressif, ça n'a aucun sens. Mais c'est surtout parce que, comme j'ai dit, hein, l'œil de lynx est vachement pratique. Et elle est niveau 8. Là, lui, il est niveau 9. Mais lui, on trouvera honnêtement sûrement jamais mieux. Comme j'ai dit. Je me répète, hein, c'est ça. Elle, c'est très bien comme ça aussi. Ouais, je me répète. C'est pas grave. Alors, carte des brigands, non, la chasse. Alors, compte rendu évoque un cadavre trouvé sur une plage au sud-ouest de la région. Un cadavre au sud-ouest. Donc. Oh, les cloches de la ville sonnent, la rumeur se répand, quelqu'un s'attaque au manoir. Ok. Ça marche. Nord, sud, est, ouest, par là. Faut trouver le cadavre. Ah, peut-être en bas là. Genre là. Ah, ça doit être ça, non? Non. Je sais pas du tout.
Là, après, ça, c'est une autre contrée. On va dormir. Je vois pas du tout où c'est. Tac. Tac. Il est où le poisson? L'autre, elle est en train de blanchir. Ouais, on a tout mis. Ok. Parce qu'on a beaucoup de trucs à blanchir. Par contre, je crois que blanchir, c'est un objet à la fois. Il n'y a jamais plusieurs objets qui sont blanchis en même temps. Par contre, qui c'est qui pourrait bénéficier de ça? Autant le mettre à quelqu'un, mais même si c'est pas très très utile en fait. Faudrait l'interchanger si on veut. Si on veut soigner les gens comme ça, mais on a tellement de remèdes. Voilà. Le masque de médecin. Ce masque en plâtre est moulé sur la statue du divin Saint Balfroid. Sa seule vue suffit aux malades pour les persuader qu'ils sont guéris. Le porteur a 20% de chance de perdre une blessure en dormant. Comme j'ai dit, c'est pas très très intéressant, mais c'est là, autant l'utiliser. Autant le mettre à quelqu'un, quoi. C'est pas comme s'il y avait énormément d'accessoires de sac, en fait. Ah, vous me faites chier les ours, hein, quand même. Vous me faites un peu chier les ours. Après, je suis d'accord, hein, je pourrais les repousser, mais il faudrait tout que... Je rechange le layout de ma tente et tout ça. Pff, c'est chiant. En fait, après, je suis pas certain. Parce que le ça doit pas être là, en fait. Ah, oh, c'est là. Près de la plage. En fait, c'est là. En fait. Okay. Je suis pas certain que mettre l'ours loin du miel aide. Je suis pas sûr. Parce qu'en fait, il le touche pas, là. Voir peut-être il y a une sorte de périmètre. Mais ça arrive souvent en fait que l'ours il bouffe le miel là, ça me fait chier. Ça me fait un peu chier. Inspecter. Non, c'est peut-être pas ça en fait. Non, c'est juste Non, c'est juste un mort. Ouais, avant, on marchait comme ça, aussi lent que ça. C'est une horreur. C'était une horreur avant. Genre partout dans la ville. On marchait super lentement. Bah, je sais pas où est la meute. J'ai un peu... bizarre. Might I interest you in my humble wares, my good sirs? Chelou. C'est nord, sud, est, ouest. Donc ouest c'est là, sud-ouest c'est là. Genre près d'une plage. Ah, tu vas me tirer peut-être là. Bah c'est... ouais. Genre une plage d'un lac, pas du... genre pas de l'océan. Peut-être. Ça me paraît étrange, hein. Bah non, il n'y a pas de plage là. Bah je sais pas. Moi je finirai par le trouver, c'est pas très important. C'est pas important du tout. Donc ce qu'on va faire... donc là... ah là, ok, là c'est bon. Bon, on va faire ça. Ah, c'est peut-être maintenant les freux. C'est peut-être avec cet événement, on va aller voir. Je sais qu'on va les trouver, les freux. Les freux, c'est les mercenaires, là. Assassins. Enfin, ouais, non, c'est pas des mercenaires, des assassins, surtout. Nous, on est des mercenaires. Nous, on fait un peu n'importe quel job, en fait.
Et eux, non. C'est quoi, là? Might I interest you in my humble wares, my good sirs? On commence à être bien plein. Là, je fais vraiment le plein de nourriture. Hein. Putain. On arrive. Don't let them escape. Mercenaries! These men are murderers. Stop them! Protect the Hovendorp heiress. Les truands. Ça marche. Je crois que ça doit être eux. On va pouvoir sûrement trouver leur QG ou un truc comme ça, je me rappelle. Ok. Ils sont que 13. C'est pas... Ça va pas vraiment être très compliqué. On va rapprocher un peu les gens. Ok. Où est... Ah, il y a Duan qui est toujours piqué. J'avais oublié. On a quoi? On a inspiration du chef. Donc ça, c'est des truands. Ils ont quelque chose de spécial ou pas? Non, c'est... Oui, malfaiteur et tout ça. Oui, comme d'hab. Okay, ça va. Allô. Joli. Ça a l'air de fonctionner un peu mieux quand même, la bravo. Hein. Ah putain, il y a un groupe là. Oh la vache, j'ai complètement zappé. Oh, fait chier. Ça, c'était l'œil de lynx qui a frappé. Ça c'était bien l'œil de lynx qui a frappé, c'est cool. Waouh. Je vais voir ce que t'as comme comme attaque de bouclier, toi. Coup de bouclier rapide. Après, ah oui, non, c'est automatique en fait. Après avoir attaqué, inflige 20% de dégâts à un ennemi adjacent. Ouais, juste on attaque. Ouais, juste on attaque et ça tape automatiquement. Ça marche. Pas mal. Joli. Joli, joli. Comment on fait pour lui, pour lui faire des dégâts? On y va avec Tarnus. C'est pas grave, tout va bien. On vient t'aider. Voilà. C'est
que toi tu vas... Ouais non, tu vas peut-être pas mourir, on va utiliser un point. Voilà. Ça va, on va tuer tout le monde petit à petit, on est beaucoup, on risque rien. Hop là. Joli. Ouh, double tir. Quoi, double tir? Ah, critique, c'est ça? Ouais. Attaque de nouveau quand critique, ça marche. On a encore beaucoup en Théo, je suis quasiment certain qu'on peut les tuer tous. Ouais, encore deux. Ouais, c'est bon, on a encore... Ah, quoi qu'il y a toi, là. Ah, mais oui, non, c'est bon. Regarde-moi ça. Regarde ça, ça va être magnifique. Hop. 78, c'est pas abusé du tout. Et... Poing. 417. Ah, c'est sûr qu'on va plus faire des 500 et quelques, mais bon, qui c'est qui va résister à 417 de dégâts? Hein? I must commend you, mercenaries. This is remarkable work. The guard. Ah. Mercenaries! Mercenaries! Qu'est-ce qu'il y a? You have to catch the fugitives. The rooks didn't come for me. They stole something in my mother's belongings. Ah oui, il y avait aussi cette histoire. Ils essayent de cacher des preuves, je crois. I saw them run towards the Magnificent. Hurry and retrieve what they took. It must be linked to my mother's murder. Ça marche. On y va, on est reparti. Ah, c'est fatigant, hein, ici. Hein. On a quoi, 6 de bravoure? Ah, ça va aller. Je vais pas du tout... Non, si. Bah si, non, pas vraiment, en fait. Passer par le pont. Et merde, je faisais pas attention. Tellement de brigands dans cette ville, c'est ouf quand même. Ouh. Je crois qu'il essaye de partir, le magnifique. Je crois qu'il va pas rester. Go away, mercenaries. You're sticking your nose where it doesn't belong. Désolé, mais on est obligé. Efficace et sans pitié, les Freux sont des assassins redoutables et jaloux de leurs secrets. Alors, il y en a qui font partie de la garde. Enfin non, ils ont de l'équipement de la garde, c'est bizarre. Ça c'est la garde, ça. Je crois qu'ils ont des armures un peu de tout le monde en fait. Ils sont quoi, 13, deux groupes. Ça va. Ah, oh, c'est con, hein, les braves, regarde. Oh.
Vulnérabilité, c'est tombé sur toi. Oh. Bon pauvre. Mon pauvre. Par contre, j'ai vu qu'un ours. Ah, putain, il y a un groupe là aussi. Ah, c'est relou. Ouais, ça devrait marcher comme ça. Je pense. Ouais. OK. Avec ovation, de toute façon, ça passe. On va se mettre là. Là, tu tapes pas souvent deux fois. Hein. Depuis qu'on a commencé, là, tu fais rien du tout. Quoi. C'est ouf. Skill deuxième, toi. On va aller faire un petit massacre avec Duan. Ok. Pas one shot. Très bien. Alors, on va faire toi. Ok. On va complètement défoncer notre armure, mais c'est pas grave. Très bien. Joli. Non, on peut taper lui direct. Comme ça, ça évitera qu'il... Genre, s'il devient fou, qu'il va sur mon moustique, ça va me faire chier. Maintenant. J'ai pas envie de me retaper le chemin pour aller à Arag et en reprendre. Hein. Honnêtement, j'ai vraiment pas envie. Donc, lui, il ira taper dans le dos, c'est pas grave. Là, très bien. Là, on a qui ? Toi, tu peux te faire lui facilement. Très facilement, même. Amorphe, pas mal. Deux de poison. Ça va. Ouch. Ça va, combat plutôt tranquille. Beaucoup de gens... risque pas grand chose.
J'adore les voir glisser comme ça. On dirait qu'ils sont sur une patinoire, quoi. C'est marrant. C'est super drôle à chaque fois. Alors, eux, il faut qu'on fasse un peu plus de carnage. J'aurais pu me mettre là et toucher plusieurs, mais bon. Après, je vais être honnêtement avec le l'expérience de pillage, là, le dégât critique 30% sur tout le monde à tout moment. Honnêtement, ça fait une méga différence. Faut être honnête. Hein. Ça fait une très 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 grosse différence. Hop là. Faut voir les dégâts. Hein. Ouais, on va s'arrêter. Faut voir les dégâts hein, quand même. Hein. C'est 30%, c'est pas rien. Hop, on a tué tout le monde. Projeter, ok, ça marche. Il y a autre chose ou pas? Non. Donc ça, c'est vrai que c'est... Comme j'ai dit, hein, si vous arrivez à avoir un bandit qui peut faire ça pour votre équipe, ça vaut complètement le coup de l'avoir dans l'équipe. Sûrement un des skills de prisonnier, on va appeler ça comme ça, des compétences de prisonnier. Sûrement des plus utiles du jeu pour le moment. Sans que le personnage lui-même soit très utile, c'est juste un tank, quoi. C'est pas énorme, quoi. Alors, inspecter manuel du marchand, manuel d'anatomie et la clé grossière. Reste humain, ouais on est déjà plein. Clé grossière, ouais c'est que là. Alors, il y a quelque chose qui ressemble beaucoup à un document officiel volé dans ce coffre. Et on a aussi un saphir. Oh non, contrat de vente. Vous avez obtenu le contrat de vente. Alors, contrat de vente, ce contrat daté d'avant le meurtre de la négociante atteste que la vente de la reine Berna à la famille Ovendorp. Donc ouais, ça c'est le contrat de la vente de... que Berna a vendu du coup son arène. Donc du coup, ça se resserre dans le sens où apparemment la vente avait été déjà faite. Mais vu que la femme est morte, du coup, il n'a pas vendu son arène, techniquement. Parce qu'il a récupéré le contrat de vente. Personne n'est au courant. En gros, c'est ça l'histoire pour le moment. Là, on est en train de récupérer les indices. What did you find? Let me see. This is... We own Berna's arena. I had no idea. Voilà. Why is this not known to everyone in this city? Did my mother buy the arena without disclosing it to the public? Curses! I wondered how Godric old Berna avoided the poorhouse, but this is the answer. He sold his arena. Eh ouais, parce qu'il était au bord de la ruine. Car l'autre, elle avait aboli... Non, elle avait continué les marchands d'esclaves et tout ça, machin. Lui, il avait mis pas mal d'argent et tout de... en payant, je crois. Enfin bref, à un moment, il nous a expliqué. Donc, il a quasiment... Il a perdu toute sa fortune là-dedans. Donc, il a vendu, du coup, au final, son arène à la femme. Mais, bien sûr, il n'a pas aimé. Donc, il l'a fait assassiner. Et maintenant, il fait récupérer, donc... du coup, il a récupéré l'argent, hein, parce qu'il l'a vendu, donc elle l'a payé. Après, il l'a fait assassiner, et maintenant, il a essayé de récupérer le contrat, comme ça, personne n'est au courant. Take your reward, mercenaries, and report this to the guard. I believe you have everything you need to prove who the murderer is. Là, je pense qu'on a tout. Enfin, je suis pas encore certain, parce que je suis sûr qu'à un moment, il nous... On trouve un endroit où on peut même se reposer.
Might I interest you? On peut se reposer sous la ville, là. Je suis sûr de ça. Ah oui, par contre, on va aller... Le destin de Grimmir. La cathédrale, ouais. On va aller à la cathédrale, vite fait. Genre, vous savez, au moment où on avait cherché des brigands, là, sous terre, là. Dans les égouts et tout ça. Je suis sûr qu'à un moment, on y va et on peut même se reposer... Il y a une autre histoire avec eux. En plus, on n'est pas à fond, donc je pense qu'il y a ça. No trace of the caravan. This is a disaster. Gossenberg will have to pay for a new emblem. Et ouais. Thank you for your efforts. We are very grateful. Et ouais. Désolé. Hein. Gothenburg is the first city outside of Edoran to have a cathedral. Is that not proof of our fervor? I was saddened to hear. Non, je regardé. May the all see. How generous of you, mercenary. I am convinced the people's fellows. These paupers don't understand. Ok. On n'a rien à faire. Je sais pas si on doit aller à 100% en fait. Après, on a cryptique. Donc, c'est quoi? C'est une clé ouvragée, je crois. Bon, déjà, on a ça à lire. Clé ouvragée. Clé ouvragée, on l'a pas de toute façon. Il nous reste quoi en clé? On a juste une seule clé dorée. C'est que ça qu'il nous reste. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Après, est-ce que si on passe du temps, est-ce qu'il va se déclencher quelque chose? J'en sais rien. Où est-ce qu'on peut aller voir? Destin de Grimmir. Non, ça, il faut accuser quelqu'un. En fait. The role of the broker. Yes, mercenaries. The Brotherhood report. Ouais, y a rien. Bon, on va accuser l'autre, hein. Mais ouais, ça me tracasse le fait que j'ai pas trouvé l'endroit là pour aller sous terre. Peut-être là-bas. Mais là, on y était déjà allé. On a eu deux endroits où on est descendu. Après, ça vient peut-être après. Hein. Je me rappelle plus vraiment des. Dans quel ordre les événements se jouent. Mais ouais, on va y aller. Alors, il faut aller du coup à l'autre arène. Là, il n'y a rien à faire normalement. Ah, elle. I was told that Lady Malvina gave you a reward. Does that mean you found Lyderic? Alors, on peut ménager l'un avec une histoire moins sordide. Dire la vérité. On va dire la vérité. What? No. No, it can't be. Lyderic wouldn't do that to me. We were in love. Ah, c'est parce qu'elle sait pas qu'il était dans une maison comme ça, c'est ça? No. Bah ouais, mais bon. I hope you enjoyed the performance. Ouais, c'était trop bien. A little coin for the artists. Ouais, vas-y. Art lovers, are you? You're not alone. People from the merchant city love our shows. We haven't seen the broker's son since his mother's death. On s'en fout. Je veux pas dire, hein, si vous avez un chien... Waouh, il est gros, lui. What? The only, the... Non mais attends, mais c'est plus un loup là, c'est un alpha. On est d'accord qu'il a changé, non? Machin quoi, il est comac. Ah merde. Moi j'ai toujours de la marchandise volée. Moi.
Bon, on va se reposer là. Normalement, on peut se reposer sans problème. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Alors, du tac, tac. Bam. Tac. Très bien. Alors, coffre blanchi, abeille, etc., etc. On doit faire avec ce qu'on a. L'Idéric, elle n'est pas à l'air, pas pire qu'un autre. Ouais, non, mais il est plus avec nous, le mec. Faire comme si l'Idéric n'existait pas. Relation avec l'Idéric augmentée. Faire connaissance ou ignorer. Ouais, faire connaissance aussi. Fais connaissance avec un mec qui est pas là. Lui, oublie un peu. Fort belle ceinture équipée. Parce qu'il a. Je lui ai mis ça. C'est marrant. Mais ouais, je crois que lui, on va du coup. Il va remplacer Bertie. Parce que Bertie, en fait, elle va bientôt être neuf. Et encore, non, elle va pas bientôt être neuf. Elle va être neuf un jour. Je dirais que lui peut la remplacer. Comme ça, il sera niveau 10 direct. C'est mieux. J'en sais rien. Elle, je lui avais augmenté Marmiton et Alchimie. Ça me fait un peu chier. Je vais être honnête. Je crois que je me prends la tête pour rien, comme j'ai dit. Parce que garde 3%, c'est pas vraiment très intéressant. C'est juste le fait qu'il soit niveau 10, en fait, qui m'intéresse, à la limite. Mais bon, c'est pas très très important au final. Qu'il nous faudrait à la limite. Peau dure. Ah, j'en sais rien. Ah, ça me rend fou ce truc, ce système là. Faut que je regarde aussi les objets. Parce que le mieux, ça serait d'avoir solitaire en fait pour des assassins. Comme ce que j'ai du coup avec notre berserker. Donc je pense que je prendrai un mec si jamais. Enfin, je garderai un mec seulement s'il est assassin. S'il est solitaire. Il n'y a que ça vraiment qui peut être utile. Ouais, on va le virer maintenant parce que sinon ça va me prendre la tête. Vas-y, t'es libre. T'es libre. Comme ça, voilà. Voilà, je peux pas revenir en arrière, c'est fini. Ah, des fois, il faut faire ça, hein, comme ça m'évite de réfléchir 50 ans. Alors, l'arène. Non, je suis pas allé à l'arène. On va voir notre poids. Faire gaffe à notre poids. Faudrait qu'on retourne se vider les poches aussi. Alors. C'est pas celle-là. Ça, c'est l'arène Overdorp. Lui, il est à l'arène Berna. On va y arriver au bout d'un moment. Donc on va devoir accuser la personne. Et il va avoir des questions. Et il faut bien répondre à toutes les questions. Si on répond pas bien à toutes les questions, on va devoir payer. Et il faut le re-accuser. Très très chiant. Donc vaut mieux tout savoir en fait sur ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'ils disent lui ? Even when times were hard, I stood by Broker Godric all. Okay. What a victory! That was. Okay. Donc c'est toi. What brings you here, mercenaries? Donc. Et je crois que c'est plus cher qu'avant. Je crois qu'avant c'était genre peut-être 200 ou 100. La salle est comblée, de nombreux citoyens sont venus assister à cette séance de justice, de ce qu'on dit, de négoce semble agité. You were accused of murdering our colleague, Broker Willa Old Hovendorp. The mercenaries who accuse you claim to have evidence of your guilt. If, by the eye's grace, they manage to prove this, they will receive the sum promised by the Broker Council. If they fail,
If this assembly finds that they made slanderous allegations against you, they will be ordered to pay 300 crowns to our great city. And now, having reviewed the rules of this court, we can begin. Yay. Firstly, mercenaries, let's revisit the circumstances which led to the death of our esteemed colleague, Willa Old Hovendorp. In all likelihood, Willa Old Hovendorp was killed in the more affluent part of our city. Is this man the one accused of dealing the fatal blow? Non. Non, il n'était pas sur les lieux. See? I wasn't even there. Even these mercenaries admit it. How could I have killed the broker? Silence! Mercenaries, I don't understand. Where Merde. Was the accused that night? Oh putain, je me rappelle plus. La première question, je crois que c'est celle-là où que je luttais à chaque fois. Au palais de Négos, se trouvait au jardin de minuit. L'accusé se trouvait chez lui. Mais jardin de minuit, c'est le bordel, donc non. On a perdu le combattant et le profil à rival. Subitement, inexplicablement enrichi. A perdu ses combattants. Merde, il y a écrit ou pas? A été assassiné dans la cité, subitement inexplicablement enrichi, empêché le royaume d'Alazar d'acheter des terres de Gozenberg, a été est très attaché à son arène, empêche l'abolition de l'esclavage contre l'avis de la Ligue des Faubourgs. Bernard a perdu ses combattants au profit de sa rivale, a provoqué la ruine du négociant Bernard, le fils a disparu le soir où sa mère, le négociant a été tué. Quelqu'un aurait payé les freux pour tuer la négociante. Le fils avait immense dette de jeu. La Ligue de Faubourg a déjà tenté d'assassiner la négociante. Il avait beaucoup de couronnes. Le fils n'a pas les moyens de payer les tueurs. Le royaume a tué le négociant en utilisant l'assassin appelé les freux. Les négociants devaient rencontrer l'ambassadeur d'Alazar la nuit de son meurtre. Ah! Peut-être ça, non, ça a besoin de négociants pour signer le contrat commercial depuis la nuit du meurtre du fils, revenu prisonnier jardin. Palais du négoce, je crois. I was indeed here in the palace along with my esteemed colleagues. You can vouch for it yourself, broker Old Marheim. So, the defendant wasn't there when our late colleague was brutally murdered. Please explain to this council how the man you're accusing was able to kill Willa Althovendorp and the 12 brothers protecting her without being at the scene. Donc grâce au freux. I fail to see the legitimacy of your claim, mercenaries. While it would be possible for a large group of these scoundrels to overcome the bodyguards and kill the broker, what links them to the defendant? L'accusé a payé ce groupe. That's completely untrue. Mais ça, je crois qu'on n'a pas de preuves. Je crois qu'on n'a pas de preuves de ça. Silence. Every time you open your mouth, I'm increasingly inclined to believe the mercenaries. Il y a toujours cette partie d'histoire où il faut aller sous terre et voir des gens du freux, je crois. Mais ça, je ne me rappelle pas. Broker Richman, you have the floor. Thank you, Broker Handler. Mercenaries, you have diligently explained how the defendant may have committed the crime. Okay. Now, I would like to know why he would have wanted our esteemed colleague dead. Why her and not another member of his council? Alors, l'accusé voulait se venger, l'accusé voulait récupérer l'héritage, servir les intérêts d'un autre royaume, l'accusé avait des motivations politiques, l'accusé voulait récupérer l'arène Berna. Ouais. The arena? How could you? You have no proof. Ah oui. Wise broker council, citizens of Gothenburg, the mercenaries have given me proof of their claims. Oui, on a la preuve qu'il a vendu son arène. This contract confirms the sale of Berna's arena, dated a few weeks before her assassination. Broker Berna sold his arena. That would explain his sudden wealth.
Certaines agitations s'emparent du public des négociants. I was unaware this document existed until the Rooks raided our home and took it. These mercenaries fought hard to recover it. This contract proves that Broker Burner is guilty. He's the one who told the Rooks to assassinate my mother and take the document linking him to her. Enough! Silence! Yes! I killed Willa Althoventorp. Yes! I hired the Rooks to do it. She sullied our good name and ruined our family. Just like she'd done with the armaments. I sold her my arena, with the proviso that she would only announce the news after the arena clash, giving me a chance to go out on top by winning the fight. But I was never going to let her enjoy my ancestors' legacy. The Rooks cost a great deal, but they got the job done. It is with great dismay that the Broker Council finds that Broker Hovendorp's killer is none other than one of her colleagues. Et voilà. But as the law of Gosenberg applies to all equally, we have no choice but to sentence Broker Godric Oldburner to death. As for you, mercenaries, the Broker Council and the city of Gosenberg thank you for solving this most despicable crime. On a fini. Après, peut-être que c'est une partie qu'ils ont enlevée. Hein. Zan de Mana propose de nouveaux combats. C'est peut-être une partie qu'ils ont enlevée, le fait d'aller sous terre. Hein. Maintenant que j'y pense. Félicitations, on termine le scénario. Ah, c'est peut-être cryptique. Haute sécurité. Oui, il y a lui qu'on n'a pas fini aussi. Le tour de l'aube. Ouais, il y a encore pas mal de choses. Parce que le mec, il nous disait de prévenir les freux. De voir la reine, elle propose quoi? Je pense que ça doit être des combats en mode difficile, hein. Je pense pas que ça doit être autre chose. You're back to challenge our fighters? Ouais, c'est mode difficile. Well, rien de très très intéressant. Alors, ce qu'on va faire, on va se vider les poches. On va se vider les poches parce que je suis très lourd. On va aller à la prison pour parler au mec. Attends, je suis au bon endroit. Oui, je suis au bon endroit. Contrat de vente. Ok. Donc on va aller reparler au mec. Oh putain, il y a la garde qui arrive. On va reparler au mec, parce que je sais pas du tout comment régler en fait son problème à lui. Le mec en prison là. Il nous dit de prévenir les freux, mais je sais pas comment. C'est peut-être lié à lui en fait, c'est peut-être même pas lié à l'histoire principale, parce qu'on a pu la finir. Mais de toute façon, il nous fallait des preuves pour accuser. Genre, on peut pas dire... ouais, c'était pour la... C'était pour récupérer son arène qu'il avait vendue, parce qu'on n'a pas de preuves. Genre, si on n'a pas trouvé le contrat, ça marche pas.
Lâchez-moi. Si on voit les loups comme ça, je crois qu'ils sont en train de combattre la garde. Des fois, il y a des sortes de petites bugs de vue comme ça. Alors, fais voir. Toi, là. The League! Alert the people's. You cannot recruit this prisoner. He is only here to await his scheduled hanging. Pay us no mind, mercenaries. We're here to make sure Yorvin is there for his date with the hangman. Je sais pas comment, je sais plus du tout comment on fait. Alert the people's fellowship. You cannot recruit this prisoner. Ah, il y a l'autre qui est en prison. Lol. Le négociant, il est là. You can come closer. I won't try and bite you through the bars. No hard feelings, mercenaries. I hope you find much success in your adventures. I knew the risk when I decided to murder Willa. As luck would have it, misfortune followed me and put you in my way. Thanks to you, I experienced the most thrilling arena clash of my life. I can now die in peace. Okay. Ouais, Yorven, je sais pas comment. Avant de quitter, je vais aller voir ces endroits vite fait. Ça se fait chier, c'est un peu loin à chaque fois. Là, on peut pêcher. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Ma quête est très très longue. Parce qu'on a des missions qui sont pas commencées. J'ai toujours pas récupéré mon argent aussi. Après, il faut faire le tombeau et tout, hein, donc. Ah. Did you give him a beating? Good. Kogo and Toro were unbearable. Come here, and I'll tell you all about it. Oh. Okay. Don't worry about me. I'll wait for one of the players to break a leg. Their team will have no choice but to take me. Okay. I told my husband to get paid in advance. With all the... Have you seen the pitch after a game of roost? No. How about a rematch? Get in position. Our players prepared for your return. Le route semble difficile. T'es sérieux? On peut jouer en difficile à la roost? Oh là là. Non. Bon, bah du coup, on a récupéré la nouvelle classe. Je crois que c'est pour les épéistes. Why not meet some local growers while you're at the tournament? I sell refreshments to the crowd and the players. Have as many. Ok, très bien. Bon, on a fait ça déjà. On va s'arrêter là, je crois, parce que de toute façon, ça va prendre trop de temps après. On a encore pas mal de petites choses à faire. On a ici la tour de l'aube à faire. On a le tombeau de Grimir. On est à combien? 2 découvertes. 16 sur 19. Ah ouais, quand même. On a ici, haute sécurité. Contacter la Ligue des Faubourgs. Je sais pas où est... La Ligue des Faubourgs, c'est peut-être ce que j'ai en mémoire, en fait. Où les gens sont sous terre. Je crois que ça doit être ça. Donc on a encore des endroits qu'on n'a pas découverts. Je trouve pas la meute, ça me rend fou. En théorie, elle devrait être là, non? J'en sais rien. Bon, peut-être, c'est pas grave. Je vais retrouver la prochaine fois. On va faire la tour de l'aube la prochaine fois, on va aller voir ça. On a du coup débloqué, donc si je dis pas de bêtises, c'est pour eux. Ouais, alors, dueliste. Dégâts à la cible et gagner riposte. Estocade. Le problème avec estocade, c'est que c'est pas intéressant, parce que le fait de gagner riposte, quand on s'engage, on peut gagner riposte en fait, avec ça. Après, ça nous permet d'avoir autre chose. Alors là, il y a quoi? Tant que cette unité est engagée à la brutalité. Ouais, c'est intéressant.
Entraînement à la dure. Là, on a quoi? Dégâts des attaques d'opportunité infligées augmentent de 25%. Dégâts des attaques d'opportunité subies réduits de 25%. Ah, c'est pas mal. Je vais être franc. Personnellement, je j'aime pas ça. Parce qu'on prend déjà pas beaucoup de dégâts. Et le fait d'être immunisé au poison, saignement et brûlure, c'est quand même vachement sympa. C'est quand même vachement sympa. Donc même si au grand opportuniste, ça peut être intéressant, je pense que entraînement à la dure est le plus intéressant. Dueliste, ouais, c'est pas très intéressant. Parce qu'à chaque fois, il faudrait en fait faire cette attaque pour gagner riposte. Ouais, non, c'est pas très intéressant en plus. Plus dueliste, c'est pas les armures lourdes, c'est les armures moyennes. Toxicité engage à la brutalité. Ça, c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant. Tant que cette unité est sous l'effet d'un bonus, ses attaques appliquent affaiblissement. Ça, c'est pas mal aussi. Le problème, c'est que, à la limite, bon, lui, on va pas le bouger. Honnêtement, y a pas mieux. Y a pas mieux pour le moment. La seule chose qu'on pourrait changer, c'est de prendre grand opportuniste au lieu de entraînement à la dure. Mais encore une fois, comme j'ai dit, perso, je préfère avoir grand opportuniste. Comme ça, on peut le mettre plus ou moins n'importe où. Il subit aucun dégât et il prend de la rage à chaque fois qu'on y prend 2. Donc, ça veut dire 10% de dégâts en plus. Donc au final, voilà, même si on l'augmente, ça, je suis sûr que ça doit passer à 50% de dégâts en plus. Je pense pas qu'on en ait vraiment besoin. Après, pour elle, par contre, pour elle, vu que on a fait en dégâts comme ça, alors il y a lacération qui peut être intéressant. Inflige 2 fois 69 de dégâts. Ouais, les dégâts sont... C'est pas très très haut, parce que là c'est 63-80, là c'est 69. C'est un peu entre les deux, mais c'est plus vers le bas que vers le haut, je dirais. C'est quand même 2 points. Je crois que quand on l'augmente, les dégâts augmentent, et après vous avez seulement une attaque à faire pour pouvoir la faire. Donc en gros, vous pouvez genre attaquer avec ça, puis après vous pouvez faire l'attaque. Donc ok, ça peut être intéressant, mais encore une fois, c'est 2 de bravoure, ça fait très cher. Là, on a duel valeureux, on pourrait l'enlever et on pourrait mettre ça, enchaînement valeureux à la place. Comme ça, ça pourrait être plus simple. Parce qu'en plus, de toute façon, maintenant, elle utilise l'épée qui repousse, donc elle n'engage pas. Donc c'est vrai que engager, du coup, ça se fait beaucoup moins. Même contre-attaque, on n'en a plus vraiment besoin. Même si, quand même, contre-attaque, ça reste une utilité. Mais on pourrait faire ça, maître d'armes. Dueliste, non. Dueliste est très puissant, par contre. Ouais. L'attaque de dueliste est extrêmement forte. 69-88. Ouais, c'est très très fort. On pourrait après lui mettre ça. Ah oui, non, mais c'est que tant qu'elle est engagée. Non, mais ça c'est pas utile non plus, quoi, parce qu'elle n'est pas engagée. Donc ça, on pourrait lui mettre ça. Tant que cette unité est sous l'effet d'un bonus, ses attaques appliquent affaiblissement. Puis en plus, elle ferait les affaiblissements en AOE. Parce que elle a toujours en boost, en fait. Elle a toujours genre le truc des voleurs, là. 30% de critique en plus. Donc on pourrait lui mettre ça. Et là, honnêtement, je garderai l'entraînement à la dure. Tant que cette unité n'a plus d'armure, elle a brutalité. Non, c'est pas intéressant. Désarmement, je sais pas ce que ça fait si on l'augmente. Ouais. On va peut-être changer Miguet. Je vais peut-être changer Miguet. Je vais voir. Ouais, on va s'arrêter là. Je vais peut-être changer Miguet. Du coup, il me faudrait l'endroit... pour réinitialiser. On peut réinitialiser ici ou pas? Merde. Mince.
Si, là. Domaine. Non, c'est domaine. Merde alors. Il n'y a pas d'endroit pour réinitialiser les stats. Faut que j'aille là. Bon, c'est pas grave, faut que j'aille là. Peut-être que je l'ai. Il est sur la map, mais je ne l'ai pas découvert, peut-être. Ouais, sûrement. Ouais, sûrement. Mais voilà, je vais faire ça. Et comme ça, on pourra tester le nouveau perso. Enfin, ces nouvelles habilités. Et. Ah, du coup, il faut que je fasse une armure en plaque. Ouais, faut que je refasse une nouvelle armure en plaque. Une armure moyenne, du coup. Je suis curieux de voir Duelist, en fait, les dégâts de Duelist. Ça peut être pas mal. Mais je pense que lacération est plus intéressant sur ce que je veux faire. On va voir. Ouais. Valeur de base, 16. Elle a trop de mouvement, elle. Elle a trop de mouvement. Je lui ai mis trop de mouvement en fait. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave maintenant, elle est devenue très puissante. En tout cas, voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir... Je suis en train de... Quand je mets des pauses comme ça, c'est parce que je suis en train de réfléchir genre un peu trop en fait. Donc on va continuer la prochaine fois. Notre équipe est cool. Continuer à faire des bons dégâts et tout ça. C'est sympa, c'est marrant, c'est fun. Et on va continuer donc Grimir. On continuera. On essaiera de faire le tombeau la prochaine fois. Ça aussi, il faut que j'aille voir ce que c'est. Il faut prévenir le faubourg. Il faut finir sa mission à lui. Et la crypte aussi. Il faut descendre dans la crypte. Donc il faut sûrement trouver la clé. Et honnêtement, je vais regarder où commence la track. De Grimir, parce que ça, c'est bizarre si c'est pas là, ou alors c'est peut-être un coin que j'ai pas vu. On verra ça. À la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.